Hop, Messenger. Envoyé à MDJ de Normandie. Envoyé. Voilà. Ok. Alors, messieurs. Quelle imitation. J'en suis stupéfait. Je vais niquer ta mère, jeu de merde. Il y avait les symboles là. Ils étaient là. J'en peux plus de ma vie. J'en peux plus de ma vie. Le soleil sera chargé en ténèbres et la lune en sang, annonçant l'arrivée du jour du lac. Ce jour superbe et étincelant. Ok. Ça me saoule, je vous jure. Si je savais que c'était là, bordel, au mieux d'aller chercher sur Internet. Au moins, c'est les vrais. Au moins, c'est les vrais symboles. Tu veux de la mousse? Non, tu veux une pierre? La poudre verte. De la poudre bleue. Donc ça correspond aux deux. Donc je peux mettre un, je peux mettre deux. Ça, coquillage. Poudre blanche, donc ça c'est 5. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Et il me manque deux. Il me manque deux couleurs. Ok. Il y a ce truc-là, là. Mais j'ai pas 5. Nous verrons bien. Ah. Ok.
Alors, je vais ressortir ma petite tac 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 tac. Non, du coup, faut que j'aille dans Messenger et que je me ressorte ma petite image là. Voilà. Alors, du coup, le bélier, je suppose. Donc, ok, bélier. Ça, c'est Gémeaux. Ok. Bélier, Gémeaux et le dernier, le Balance. Donc j'ai dit Bélier, Gémeaux et le 5, c'est les Balances. Du coup, on va faire ça comme ça. Et il me reste ces deux-là à deviner à quoi ils correspondent. Donc on peut essayer. Mince, non, je veux le 3 d'abord. Tu me saoules! Ça peut pas être ça. Ok. Alors, j'essaie le brute force, mais en fait. Avec Rustilek, je sais que. Il y a peu de chance. Si on n'a pas les items qui nous donnent les indices sur nous, c'est mort. Mais bon. Je tente quand même. Sait-on jamais. Plus ça va, il n'y a pas énormément de combinaisons résultat. Non, bon, bah le bruit de force, à mon avis. Ok. On sait juste, il y a 3 et 4 qui devront être trouvés. En espérant que je me plante pas les interprétations, parce que les signes du zodiaque, c'est un peu compliqué. C'est des bêtes à cornes, il y en a au moins 3, quoi. C'est ça qui est un petit peu con. Mais en vrai, je devrais prendre plutôt en photo celui du jeu. Parce que on sait jamais s'il y a une interprétation à la con que j'aurais pas vu. Toute façon, c'est obligatoirement Bélier. Le deuxième, c'est Gémeaux. Et le troisième. Mais non, le troisième, c'était Sagittaire. Je suis planté sur le signe 3. Attendez, je me suis planté sur le signe 3, je suis con. Et d'accord, c'était. Non, c'était la balance. Non, non, c'était la balance le dernier, on est d'accord. Hop, je prends ça en photo. Comme ça au moins. Voilà. J'ai une vraie. J'ai une photo. J'ai la photo du jeu. Comme ça au moins. Comme ça au moins on peut pas se tromper. Hop. Peux dégager s'il te plaît.
C'est bien allumé comme jeu quand même, hein. Et avec la pioche, je... Avec la pioche, par contre, j'ai rien pioché jusqu'à présent. Si, j'ai pioché un caillou. Mais après, j'avais pas de récipient pour réceptionner le... Mince. Ah mais si j'ai... Ok d'accord. Non. Hop. Non bah ok, excusez-moi. Il y avait une étape que j'avais pas eue. Pierre de lune rouge. Ah ok. Ça c'est le 3, donc on est bon. Je vais voir tout de suite c'est quoi le signe. Merde. Cancer. Les cancers. Bah, je sais pas quel signe c'est les cancers en fait. C'est le M. C'est le M avec une flèche comme ça. Coup 3, c'est ça. Non, puis la seule énigme que j'ai qui me reste, c'est ça. Je sèche. Là, cette énigme-là, je ne l'ai pas. Je vois bien que c'est 1, 2, 3 et 4. Mais si je fais 1, monte un peu, 2, 3 et 4, bah nique ta race. Je l'ai fait tout à l'heure, ça marchait pas. Ou parce que je me suis planté, j'en sais rien. Et puis le jeu est capricieux en plus. Bon. Allez. C'est quoi le symbole? On va y arriver, on va y arriver, hein. De toute façon, il me reste plus qu'une heure à tourner.
Mais c'est quoi ça? Ah, ouais, je sais pas ce que c'est. C'est les Capricornes, ça, je crois. Je suis pas sûr. Je crois que ce symbole-là, c'est les Capricornes. Du coup, 4, c'est Capricorne. Une échelle. Ok, donc le premier, c'est le hibou, donc c'est les vierges. Enfin, c'est les... Non, c'est verso, c'est verso. Je vais peut-être déjà le noter. Donc, un verso. Bon, j'ai pas besoin du téléphone, je vais le poser. Ce que je vais faire, c'est pour le moment, je vais faire ça comme ça. Voilà, comme ça on sait. Voilà, à partir de là, donc Verseau, c'est placé. On va disposer les autres. Alors, donc on avait dit donc Verseau. Ensuite, on va le fameux canard là. Le canard, donc c'est. Donc c'est Sagittaire. Bon, Sagittaire, je retiendrai. Sagittaire. Ensuite, il y a le cerf. Le cerf. Si je fais ça, c'est ce symbole-là. Je ne sais pas quoi correspond. C'est quoi ce symbole? C'est poisson, ça. Apparemment, non, c'est pas les poissons. Parce que les poissons, j'ai un autre symbole. J'ai ce symbole-là pour les poissons. Faudrait que je regarde sur l'autre signification. Mais... donc bref, donc j'ai dit donc Sagittaire et ce symbole-là, qui moi j'interprète ça comme poisson, mais apparemment c'est pas ça. Donc 2 c'est Sagittaire, 3 c'est ce symbole-là. Ok. Juste placer le 4 ici et le 5 ici. Comme ça au moins, voilà, sur bélier, sur... je sais pas ce que c'est. Ensuite, on a l'aigle là. Donc poisson. Du coup. Et l'éléphant, c'est la balance. Donc poisson et balance. Poisson, balance. Ok. Donc, j'ai certainement inversé 2 et 3. Non. Alors j'ai dû inverser, c'est 3 et 4. Du coup... Non. On refait. À moins que... Ah, attendez, c'est quoi ça? Oh, alors attendez. Alors ça. Ah, mais c'est pas vrai!
Ah bon, excusez-moi. Hop, voilà, le travail, bien sûr. Bon, on va se mettre à peu près là. On va se mettre à peu près là. Ah bah. D'accord, je peux pas plus haut de toute façon. Hop. Ça me paraît pas trop mal, ça. Attendez, non, non, ça c'est forcément comme ça. J'y suis presque, hein. Ouais, c'est bon. Ok, j'adore. Pas du tout. Faire ça comme ça. Ça me paraît complexe là. Oh, hé, tu te calmes. Ok. Là, ah, hé. C'est chiant, parfois il reste bloqué. Ok, du coup. Je vais le baisser un petit peu, on l'a. Ok. Alors ensuite. Donc, ça. Ok, facile. Va tous les faire, hein, j'ai l'impression, hein. Ça me paraît plutôt être comme ça. Ok. Wow, ce merdier. Ah non, ok, d'accord. Attendez, qu'est-ce que c'est? Quoi? Ça ressemble à la croix du sud. Ah mais, ok d'accord, attendez, non. Si ça c'est la croix du sud. Hop, attendez. On va faire ça. Alors là, je sais pas. Le dernier truc, là, je sais pas. Si c'est les constellations réelles, je vous le dis tout de suite, j'en ai aucune idée. De leur emplacement, de leur. Ce que je sais, c'est que si ça, c'est la croix du sud, alors on devrait être comme ça. Si ça, c'est la croix du sud. Que... Non, la croix du sud, j'ai un doute. La croix du sud, non, c'est 4 étoiles. La croix du sud, donc pour moi, ça correspond à la croix du sud. J'en sais rien, je comprends rien. Je comprends rien. Bon, on va dire que c'est validé, même si je sais pas.
À quoi ça correspond du coup? Est-ce que ça m'a changé quelque chose ici? Pas du tout. J'en sais rien. Bon, il y avait ça. Il y avait ça. Du coup. Ah, mais bordel. Non, attendez. Du coup. Verseau. Verseau, Sagittaire. On va dire Scorpion. On va dire Scorpion pour ce symbole-là. Scorpion. Poisson. Et Balance. Donc Sagittaire, non, donc Sagittaire, on avait dit ce symbole-là, et ça, et un 5 balance. Donc c'est pas ça. Pourtant ça correspond avec les trucs d'en haut. Du coup, ce sont ces symboles-là. Le truc, c'est que c'est peut-être pas le bon ordre. Mais quel ordre ça pourrait être d'autres? Est-ce qu'il faut les inverser? Ok, donc je vais inverser. C'est-à-dire que le 5 devient le 1. Et inversement. Le 2 et le 3, je les inverse. Ah oui, mais le 4, de toute façon, je peux pas l'inverser avec quoi que ce soit. Parce que eux. C'est obligé de correspondre à ça. Le hibou là, il correspond ici quand la bougie sur le Sagittaire. Du coup, c'est ça, c'est forcément ça. Le truc, c'est peut-être que eux ont un ordre défini. Donc pour moi, c'est ces symboles là, mais c'est pas dans le bon ordre. Du coup, on va essayer ça. Ok. On va essayer d'inverser 1 et 2. Non plus. Ok. On va essayer d'inverser 3 et 4. Kikine. Je les ai, hein. C'est juste que là, j'ai pas le bon ordre. C'est quand même con cette histoire.
Juste une question, ça j'avais oublié. Ça j'avais là. Évidemment, ok. Et ça. Bon, mais ça on avait fait. Ça on avait fait, c'était ok. Et ça, je sais pas du tout quoi en faire, je sais. Y a un truc là? Y a une anomalie là, J'ai une anomalie là, j'ai quelque chose qui est pas normal. Attendez, c'est con, mais je vais faire ça. Ça comme ça, au pire. Non, mais ça donne rien, ça. Là, j'ai un truc qui est pas normal, mais je sais pas du tout ce que c'est. Bon. Non, mais c'est. Il y a encore un truc à faire avec ça, mais je sais pas quoi. Ça, je. C'est. Ça, j'ai les symboles, mais je. L'ordre apparemment n'est pas le celui qui. Enfin, n'est pas l'ordre de lecture. Parce que l'ordre de lecture, on avait dit, c'était... Ça, puis... Le mot, puis... Ça c'est l'ordre dans lequel je les ai lus. J'ai pas pu me planter. C'est pas possible de se planter. On va le refaire, hein. On le refait, hein, mais hop, donc on a en premier les Verseaux. En deuxième, les poissons. Pardon, excusez-moi. En deuxième, les poissons. En troisième, ça. On va inverser. En deux, les poissons. En troisième, ça. Mais même ça, apparemment. C'est pas ça, un verso poisson. Ça, je vais vérifier. Hein.
Donc je recommence. Hein. Donc Verseau. Ok. Ensuite, poisson. Ensuite, on va dire scorpion. Sagittaire en 4. Et balance en 5. Mais c'est ça. Donc j'ai cet ordre-là aussi qui me paraît logique. Mais qui visiblement ne l'est pas. Ça me saoule, hein, parce que la réponse est évidente. Mais le jeu l'accepte pas. C'est bon, j'ai bien compris le truc, des ombres, j'ai associé au symbole. Mais il y a un ordre à la con et il va falloir le trouver et ça commence à me casser les burnes. Parce qu'au départ, le premier ordre que j'avais mis, c'était l'ordre des dessins. Et là, l'ordre que je viens de mettre, c'est l'ordre des figurines. Sachant que les peintures au mur, c'est ambigu, l'ordre. Alors que là, c'est... À moins que ce soit dans l'ordre de hauteur. Ouais, mais non, parce que là, pareil, c'est ambigu. Parce que ça serait le cerf en premier. Le cerf, je suis dessus, ce serait... donc résultat... Mais après, je sais que ces animaux-là, enfin plus ou moins, sont reliés aux gens qui sont avec nous. C'est-à-dire que le cerf, c'est le père. Et il me semble que le hibou, c'est la grand-mère. Et ils sont associés à un numéro. Mais après, je sais plus à qui correspond quoi. Ça a changé? Je vais vous enculer. Excusez-moi, je deviens vulgaire. Ah, l'éléphant. Un oiseau. Le hibou. Le canard. Et le cerf. Donc l'éléphant en premier. Éléphant, c'est balance. En deux, il nous faisait quoi? L'oiseau. L'oiseau, c'est les poissons. Super. En trois, c'est hibou. Je me souviens, elle faisait le hibou. Du coup, en trois, ce sont les Verseaux. La prise de bec.
Et j'en ai qu'une sur les deux parce que ça, je sais pas quoi en faire. Et ça, pour ça, je crois que je vais aller chercher la solution parce que je vois pas. Oh non. Non, 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 non. Non. Oh non. Oh mais non, j'ai compris. Oh mais non. Mais je me souviens plus de ça. Là, il y a une étoile, c'est ce symbole-là. Et je sais plus à quoi ça correspond. Je me souviens plus des. Je me souviens plus. Mais tout tourne autour de l'astrologie. J'ai horreur d'astrologie. Je trouve ça débile. Au secours. Sortez-moi de là. Oh, mais non! Au secours! Je sais pas quelle constellation c'est, ça. Je me souviens plus de cette constellation-là. C'est quoi? C'est. Oh merde! Ça m'énerve. Ah, mais putain, mais si, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là. Du coup, le premier, c'est ça. Oh bordel! Oh, je vous jure, je vais péter un plomb. Oh merde! Je vais juste les organiser de façon à. Ok, donc le premier c'est ça. Ensuite, celui où il y a deux étoiles. C'est quoi? Bon, celui-là où il y a cinq étoiles, comme ça on va le faire tout de suite. On va faire vraiment ce qu'on a. Ça a l'air d'être les scorpions, ça, je crois. 5, c'est scorpion. Donc 5, c'est celui-là. C'est pas scorpion, ça. J'ai un doute, je sais plus. Ok. Oh, bordel, faut comprendre, hein. Du coup. Le 2. Ah, reviens là, toi. Le 2, c'est cette constellation extrêmement complexe, là. Je vais retenir que c'est un Y qui part comme ça. Donc c'est celui-là. Celui-là, c'est le 2, c'est les Sagittaires. Le 4. Le 4, c'est l'espèce de cheval. C'est le lion, c'est la constellation du lion. Okay. Ah. OK. OK, d'accord.
Un trou là. Là, il est en plein milieu. Ok, bah là je. Est-ce qu'il faut qu'il soit. Ah! Non, non, c'est pas ça. Je vois pas. Parce que l'idée, ce serait peut-être de lui faire faire le labyrinthe, là, mais. On va revoir le. Ok, donc eux, ils font toujours la même chose. Ça n'est pas de soucis. Je réfléchis, mais est-ce qu'il faudrait encore l'orienter à gauche pour qu'il soit dans l'idée ici par exemple? Hop, à gauche. Donc là, il est face à ce truc-là. Si je... Ah, mais si, c'est ça. Ok. C'est bien ça. Donc c'est bien ça. Attendez, par contre, la poudre verte qui est... Ah, zut! Oh, merde! Putain, c'est glauque, on est le squelette de notre mère, quoi. Qu'est-ce que j'en fais? Que je fais quoi? Ah non. Ah mais si. Poudre magique. Je t'en foutrais de la poudre magique, moi. Bordel. Putain, les développeurs de Rusty Lake, ils ont quand même des problèmes. Nom de Dieu! Mais fuckez-vous, quoi. Mais fuckez-vous.
Non, allez, hop. The tenth plague, death of the firstborn. Ah mais c'est pas fini en plus! Bah, la mort des premiers-nés. Bon, ça, pour le coup, oui, c'est... Ok. Ok, il va falloir lui faire une flèche. I hope I'm not the one that dies tonight. Il n'a pas été celui-ci. Bon, oh là là là. C'est un pinceau, ça. Bon. Je peux le prendre, ça? Non? Bon. Ok. I hope I am not the one that dies tonight. Ah, n'empêche, le niveau avec les signes astrologiques là, c'est bien allumé ça. We celebrate the day of the lake tonight. Be ready. Oh, j'ai pas retenu. Ça, c'est la grenouille. Pas retenu, puis en plus, j'ai pas tout fait. Il y a une règle là. Ok. Il me semble que j'ai un doute. Non. Ça, c'est ici. J'ai vu le taureau. Il me semble que c'était au niveau de la sœur. Ici, c'est espèce de pou. Le pou, c'est ici. De mémoire, il me semble que... Ah, passe-moi ça. Que ça c'était voilà la mythe peut-être ici j'ai un doute entre ces deux-là celui-là je l'ai pas vu c'est sûr ces deux là-bas je les ai pas vus donc de toute façon bah c'est bon ce sont les trois qui me manquent donc la larme la main et la pluie on va revenir au tout début pour aller voir
Celui qui me manque, mais oui, c'est ça, un taureau. J'en profite pour regarder rapidement, mais. Ok, donc j'ai inversé par contre les deux, le papillon et la espèce de mythe là. Ici, c'est une larme. Ok.